Merci, merci toi, et tu m'as délivré, et toi qui m'as guéri, toi qui m'as restauré, je te dis merci. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. On dit amen. Tous ceux qui en ont passé au témoignage. Alléluia, des personnes qui ont été délivrées de la sorcellerie. Les gens disent qu'on a la sorcellerie, on ne peut pas être délivré. Moi je dis si, parce que Dieu est puissant, ne peut pas limiter la main de Dieu. Jésus peut délivrer un sorcier, fait de lui une personne qui, n'est-ce pas, portait de l'évangile. Amen. Amen. Nous allons passer au témoignage. Nous aurons tout à l'heure le témoignage de... C'est ça? Abraham, Didia, Mélanie, c'est qui? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour cela? Plus fort, on acclame Jésus de Nazareth. Est-ce qu'on peut l'acclamer encore? Jésus, change de vie. Tu es sorti, change de vie. Parce que Jésus a besoin de toi. Amen. Vous savez, c'est pour nous une joie. C'est pour nous une joie de voir un gangster, délinquant spirituel, criminel spirituel, abandonnant le royaume de Satan. Amen. Et désormais faire partie du royaume de Dieu. C'est une manière de dépeupler le royaume de Satan. Et la Bible déclare que quelle personne. Un pécheur se répand sur la terre, le ciel est dans la joie. Une personne qui a payé des familles, une personne qui tuait en sorcellerie, une personne qui faisait assez de dégâts, décide d'appartenir à Jésus, c'est une victoire. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, bientôt ton miracle. Alléluia. Amen. 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 Je profite en même temps pour annoncer, avant qu'elle rende le témoignage, j'en profite pour annoncer, nous aurons une grande croisade à Rabat, au Maroc, c'est l'Afrique du Nord, une grande croisade d'évangélisation dans le monde entier, à partir du 9 jusqu'au 10 juillet. 19.
du 9 au 19 juillet. Nous ferons pratiquement trois semaines à Rabat pour une grande croisade d'évangélisation, une retraite spirituelle. Désormais, nous ferons la navette entre le Maroc et la Côte d'Ivoire. Amen. Dieu nous a permis d'avoir un lieu là-bas au niveau du Maroc. Ça va nous permettre de gérer les dossiers au niveau du Maroc. Cette fois-ci, nous irons avec une grande délégation au Maroc. La dernière fois, nous étions 4 personnes, mais cette fois-ci, nous irons avec une grande délégation au Maroc afin de pouvoir aider les gens. Merci déjà pour le frère Théopold. C'est un frère des Aroco qui nous a très bien reçus et qui s'occupe, n'est-ce pas, des papiers, des visas des personnes au niveau du Rabat. Voilà, que Dieu soit béni. Amen. Oui, madame, ça va? Ça va. Et le Kiki a dit, je t'aime ma patrie. Et bien dans ta poitrine, tu vas nous rendre ton témoignage, c'est important. Rends-nous tes témoignages. Tu faisais quoi avant et maintenant qu'est-ce que tu as devenu? Allô? Je remercie Dieu. Et puis papa. Avant, j'étais sorcier. Hein? J'étais sorcier. Je tuais les gens. Tu faisais comme avant. Tout ça c'est important, ces témoignages. Et... C'est un témoignage. Il mariait les gens. Hein? Il tuait les gens. Et puis tu faisais quoi après? Quand tu dis, tu fais quoi? Hein? Je mange. Prends le micro, t'as dit, allô, micro n'a pas quoi. Je mange. Tu mangeais. Mm-hmm. Quelle sauce ça va? Tout sauce. Aubergine. Ah, tu. Aubergine. Mais grâce à Dieu aujourd'hui, papa, avant là, je ne dors pas. Tu faisais quoi? Tu faisais travail la nuit? Je ne dors pas. Tu faisais quoi? Tu dors pas, tu faisais quoi? Pourquoi tu ne dors pas? Dis-nous ces témoignages. Je tue les gens. Non, la nuit, pendant qu'on rompe, on dort, on rompe. Toi, tu travailles, tu sors. Tu pars où? Tu partais où avant? Allez travailler. Non, grâce à toi maintenant. La grâce à Dieu. Grâce à Dieu maintenant. Dieu je suis venu ici. Ma grâce a dit de venir. J'ai dit je ne viens pas. Hein? Ma grâce pourquoi? A dit. J'ai dit je ne suis pas sorcier. Hein? Et je ne viens pas ici. On n'a fait pas la boule. Mais a dit, je suis venu. Je suis sorcier. Mais, Et avant de venir, tu savais que tu étais sorcier, mais tu as menti. Et je ne viens pas. Hein? Et on n'a fait pas la boule. Mais arrivé ici maintenant. Dieu m'a libéré. Bien même. Je dors bien même. La nuit, je dors bien. La journée, je dors bien. Tu t'envoles pas. Essence, aubergine. Et puis, il ne vient pas derrière moi. Je ne sors pas. Je dors bien même. Je suis à l'aise. Tu ne peux pas dire à crédit, il faut payer. Non. C'est vrai. Quelqu'un ne vient pas derrière moi. Je dors bien. Madame, tu as mangé pour moi, il faut payer crédit. Non, quelqu'un ne vient pas. Jésus a tout payé, voilà. Maintenant tu dors bien. Je dors bien même. Bien même. Bien. Rond. Et puis à 4h tu pries. Mmh. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Oh, est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Acclame fortement Jésus. Vous avez tué combien de personnes avant? 10 personnes. Tu les as mangés bien et bien. Tu as gâté la vie des gens. Comment tu vois ça maintenant? Maintenant ça va. Ma fille a même appelé, dit ça va. Ça va. Non, comment tu vois? Tu regrettes toi? Je regrette. Ce que tu as fait avant là, tu regrettes. Dieu aussi t'a pardonné. C'est pour dire que sorcier peut changer. J'ai changé même. Hein? Comment tu as changé? Ce que j'ai fait là, je ne sais pas. Mon cœur a ouvert maintenant. Avant, je ne connais pas Dieu. Maintenant, je connais Dieu. Amen. Oh,
voulu gâter, c'est ça, tu as gâté la vie de ta nièce. Même micro. Tu as dit, allô, ça parle. C'est ma fille. À cause de... Quand je l'appelle. Pourquoi? Elle a demandé de payer quand il a fait pour moi, j'ai fait comme ça. Hein? Il n'est pas bien. Et puis? Il a gâté. Parle fort, c'est témoignage. Et puis, il a gâté. Comment tu as fait? Il a dit, s'il gagne l'argent, il ne faut pas ça rester dans sa main. Comment tu as fait? Il t'a mis par soi là. Il a mis par soi. L'argent la passe dedans. Quand l'argent la dépense, maintenant tu es délivré. Délivré. Moi, j'ai été payé congélateur. Amen. Amen. Je ne te rejette pas, moi je ne te rejette pas. Amen. Tu es là pour combien de temps? Ça dépend, c'est ça? Mm-hmm. Les jours que tu me donnes la route. Toi tu veux rester ici. Ok. On va te libérer en début de juillet. Avant de partir, je vais te donner un compte. J'ai les choses à jour 9. Et puis te donner, tu allais faire ton commerce. Dieu t'a pardonné, nous sommes du pardon. On ne peut plus te condamner avec ton passé. Tu as changé. J'ai changé, vraiment. Ah oui, je sais que tu as changé. Parce que je te voyais dans ces oubliers. Tu as changé. Enfant de Dieu. Amen. Ce que tu as commencé là, il faut aller jusqu'au bout. Amen. Avec Jésus. Avec Jésus, tout est possible. Alléluia. Amen. Avec Jésus, tout est possible. Dieu peut transformer le plus grand bandit, le plus grand sorcier, parce qu'il est puissant. Il ne faudra jamais limiter la main de Dieu. Vous dites, oh, lui, il ne peut pas changer. Dieu est puissant, il est souverain. Le dernier témoignage, vous allez écouter le témoignage. Ok, sorry, connaît Armand. Je t'ai dit,
témoignage. Tu dis ton nom, ça va? Oui, ça va. Tu es convaincu que Jésus t'a délivré? Oui. Voilà, ok, allons-y, ton témoignage. Enfin, il était sorcier. Non, d'abord ton nom. Il m'appelle Sorikone Armand. Ah. Il était sorcier. Quel est-il? Je suis gourou. Ok. Il était sorcier. Il me transformait en tigre et en chat. La nuit? La nuit, il me transforme en tigre. Oui. Dans la journée, il me transforme en chat. Tu faisais quoi? Je tuais les gens. Qui a crié, hein? La nuit, tu faisais quoi? La nuit, il me change en tigre. Et puis tu faisais quoi au-delà? Et puis il tuait les gens. Mm-hmm. Dans la journée, il me change en chat et il tue les gens. Les gens disent que son signe n'existe pas. Qu'est-ce que tu peux dire à ces personnes? Moi, la personne qui dit sur son livre n'existe pas, il ment. Qu'elle existe. Et maintenant? Et maintenant, j'ai donné ma vie à Jésus. Donc, je suis délivré de la sorcellerie. Tu es convaincu que tu vas plus te transformer en chat? Non. En tigre? Non. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Et non! Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? C'est la victoire de Dieu sur les ténèbres. La victoire de Jésus sur Satan. Amen. Il faut dépeupler le royaume de Satan. Parce que le diable détruit. Et la Bible dit dans le livre de Jean, le chapitre 10, le verset 10, le voleur ne vient que pour égorger, détruire. C'est l'œuvre de Satan. Amen. Or, nous avons reçu le pouvoir de Christ de détruire les œuvres de la sorcellerie. C'est ce qu'ils devons faire. Amen. L'Église a reçu le pouvoir de détruire la sorcellerie. Un véritable enfant de Dieu, un sorcier de périr entre nous. Alléluia. Il a été délivré. Pardonnez-moi les sorciers. Non, si, Jésus-Christ l'a délivré. Nous avons vu la scène de délivrance. Les démons ont quitté totalement son corps. Tu as une bonne femme demain? Oui. C'est ça, non? Oui. C'est pas un peu ton mariage demain. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Il fait partie désormais de notre ministère, c'est ça? Oui. Il s'est mis carrément au service. Celui qui, tu vois, fait le ménage ici, oui. C'est son témoignage de tout ça. Il a décidé désormais de servir Dieu. Nous acclamons la victoire de Jésus. Voici Amélie Jeannette, c'est qui? Vous savez qu'elle, j'ai appris qu'on fait pâté pour l'homme, chair humaine. Hein? Nous, on connaît pâté de bœuf, volaille. Or, pour chair de l'homme, là, il y a pâté. Tout ton nom? C'est Kwasi Amani Jeannette. Oui, tu peux nous rendre ton témoignage? J'étais sorcière. C'est ma grand-mère qui m'a initié. C'est ma grand-mère. Pour résumer, hein? C'est ma grand-mère qui m'a initié. Donc depuis Jésus-là, j'ai commencé à pratiquer la sorcellerie, j'ai commencé à tuer. Elle m'a appris à tuer seulement. J'ai tué, mais à la première personne, j'ai donné mon neveu. Non, tu as tué combien? J'ai tué 50. Ouais. Et tu as détruit la vie des gens? J'ai détruit la vie de ma grande-sœur. La vie de ma grande-sœur, la première, ma petite-sœur. Mais j'ai détruit aussi la vie de la grande-sœur de ma maman. Et toi, tu jouais quel rôle là-bas? Là-bas, j'ai tué. Et tu es convaincu que tu es délivré? Je suis convaincu. La délivrance a eu hier, n'est-ce pas? Oui. Les démons sont sortis de son corps. Elle aura tout à l'heure l'occasion de prêter ses mains, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Oui.
quel âge tu connais la sorcellerie? 4 ans. Mais maintenant, tu as quel âge? 30 ans. Donc, elle a eu 26 ans de pratique de sorcellerie, c'est ça? Ici, maintenant, elle doit avoir. Elle a eu 26 ans de pratique de sorcellerie. Et en moins de 30 minutes, elle a été délivrée de l'esprit de la sorcellerie. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Désormais, il faut servir Dieu. Tu as vu comment Satan est dangereux et mauvais? Quel est ton témoignage maintenant? Comment tu te sens? Je me sens à l'aise. Ça veut dire? Je me sens libérée de toutes les choses qui viennent de mon corps. Bien, Joseph. Je me sens de toute la sorcellerie. Je suis libérée de la sorcellerie. Tu ne fais plus pâté? Non. Oh, pâté, on ne faisait pas comprendre là-bas. Bah, je regarde sa vidéo, je regarde. Il y a pâté pour ça, déjà, c'est venu. Ça vous prenez petit déjeuner. Nous, ça n'est pas ça. Pour nous, c'était mort subite, un coup chaos. Oh, il y a déjeuner dedans. Oui. On conture la personne en deux coups. On enlève la peau, les os. Maintenant, la chair en deux coups, petit, petit. On au fur et à mesure, deux coups, petit, petit. Maintenant, après, maintenant, on fait bouillir. Bien, on tape. Bien, pour maintenant, après, maintenant, chacun se sait. Maintenant, on ne dépasse pas plus. Non, pâté là. Comment on fait? Pâté là. On découpe la chair. Mm-hmm. Petit, petit. Mm-hmm. Ça vous fait bizarre. Parce que c'est témoignage. On découpe petit, petit. Petit, petit. Au fur et à mesure, on découpe petit, 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 petit. Mais là, après, maintenant, on pince dans un mortier. On pince tout. On finit d'épiler tout. Maintenant, on met tout dans la famille. Maintenant, après, on prépare. Ça vous fait bizarre. Ça vous donne la chair des poules. C'est pour ça qu'il faut combattre la sorcellerie. Il ne faut pas jouer ça. Ne prenez pas ça comme une histoire. Hein? Ne prenez pas ça comme un jeu. Aujourd'hui, c'est vrai qu'elle a été démasquée, elle est délivrée. Mais il y a des personnes qui sont encore victimes dans les maisons, dans les trucs, dans les sorciers, qui n'ont pas encore été démasquées dans les familles, qui sont en train d'enlever des familles. Et les gens pensent que c'est une histoire, c'est pas vrai. Or, les blancs qui nous peuvent croire que ça n'existe pas. Ce sont les blancs qui furent les premiers à combattre la sorcellerie. C'est une réalité, la sorcellerie. Amen. Les gens disent que ça n'existe pas. Si, ça existe. Ça existe. Ça existe. Maintenant, tu es convaincu que tu es délivré. Je suis convaincu. Amen. Amen. Le jour où tu vas retourner à la sorcellerie, tu vas creuser ta propre tombe. Ici, c'est comme ça. Quand tu es délivré de la sorcellerie, tu ne retournes pas. Parce qu'il y a quelque chose qu'on fait sur toi. Quand tu retournes, tu meurs. Ça va? Tu vas bien dormir maintenant. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Je demande à la sœur. Une sœur qui était la secrétaire de l'Angola. Elle est venue avec son fils. Son fils, elle est venue me rendre un grand témoignage. Son fils a été totalement délivré ici. Piapanaki. Yeah. Piapanaki. J'étais tellement content de le revoir. Amen. Pour ceux que... Qui le reconnaît? Qui l'a reconnu du moins? Amen.
Ça va? D'abord sa mère. Qu'est-ce qu'il avait? Comment vous êtes arrivé ici? Et maintenant son témoignage. Nous sommes arrivés de l'Angola. Il était malade. Il avait une dépression. Polyphonie, pour nous, on dit qu'il était fou. Vous, c'est une dépression. Azaroko, on ne connaît pas ça. Donc, français, là, c'est folie. Allons-y. Oui, il avait une dépression. Et je suis arrivé ici avec lui. Il a fait plus de 2 mois ici. Et aujourd'hui, je suis revenu avec lui. Parce qu'on est allé, la maladie a disparu, il a même été à l'école. Et il va en classe de prière. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia! Est-ce que vous avez bien saisi le témoignage? Il a été délivré, il est reparti à l'école, il place en classe supérieure. Avec une faute, avec une moyenne, une faute moyenne. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Nous avons encore sa vidéo ici. Il n'arrivait pas à dormir, c'est ça? Monsieur, allons-y. Alors, donne-nous ton témoignage, s'il te plaît. En fait, là-bas. Là-bas, c'est où? En Angola. En Angola. Parle fort. C'est en Angola, dans un autre pays, en fait. Oui, on connaît Angola, oui. Et même parce qu'avant justement, ma mère était malade. Et c'est quand, à cause, parce que nous ne sommes pas mes parents. Mais c'est pas aussi parce qu'il y a des forces que ma mère était malade. Non, tu avais quoi? Hein? En fait, je voyais des trucs bizarres. Bizarre, oui. Des pas les ténèbres qui les chaque fois, des esprits bizarres qui s'approchaient de moi. Maintenant, quand je fuis, mais maintenant, qu'est-ce que je fais quand, si j'essaie de m'exprimer, on dit que je suis fou. Donc, j'explique, je m'exprime, mais parfois, quand on me dit que je suis fou, ça m'énerve, puis je garde ça pour moi. Et c'est quand je suis comme un même entre ici, avec les chiens, chaque fois que je commence à prendre. Et que un jour, le prophète me sauve. Oui, en bas. Il m'a fait appeler et m'avait dit que j'étais délivré. Moi j'ai vu ça trop simple. Mais pas fini, de jour en jour, ça diminuait. Jusqu'à ce que je repasse et je reviens, je ne vois plus. On acclame Jésus, tu ne vois plus. Est-ce qu'on acclame Jésus? Non, tu es réparti à l'école. Tu es réparti à l'école? Oui, je suis réparti. Oui, allons-y. Et je vais te dire des bonnes notes. Vous avez dit. Bon, j'ai eu 17 en maths, le total 17 de moyenne. En maths, en anglais, j'ai eu 17. Et le total, ça me ferait quoi, 14 de moyenne. 14 de moyenne. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Il y a quelqu'un, Jésus est puissant. Il y a quelqu'un, Jésus est puissant. Ok, on t'assoit. Amen. Il y a quelqu'un, attends-toi ton miracle. Il y a un paradis. Yeah! Biaba, atolaka ya na zayo. Biaba na zayo, agila ya na zayo. Biaba, atoshizo ya na zayo. Biaba na zayo, agila ya na zayo. Biaba, biaba na zayo, agila ya na zayo. Biaba, biaba na zayo, agila ya na zayo. Biaba, atolaka. Tu vas recommander ton soir à Dieu. Tu es là ce soir, expérimenter quelque chose de la part de ton Dieu. Ce n'est pas un homme qui délivre, c'est Dieu qui délivre. Tu vas lever tes mains et tu vas dire à Jésus, je te remets mon sort. Interviens dans ma vie, délivre-moi s'il te plaît. Ouvre la bouche et parle au Seigneur. J'aimerais que tout le monde prie. Ouvre la bouche. La Bible déclare que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera délivré. Ouvre ta bouche et prie. 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 Thank you.
de prier, continue de prier. Continue de prier. Paix, paix, paix. Demande à Jésus de te libérer. Parle à Jésus. Parle à Jésus ce soir. Parle à Jésus ce soir. Demande à Jésus de te libérer. Oui, au nom de Jésus. Je vais t'entendre prier. On parle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le feu. Le feu. Le feu, le feu, le feu, le feu.